Tournée gouvernementale d'explication sur la cherté de la vie au Bénin, la dieu autoproclamée de Bonhomme est montée au créneau. Dans un audio qui circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux, elle a fustigé justement l'initiative de l'exécutif, indiquant que c'est une rencontre où ceux qui ont mangé et sont suffisamment rassasiés vont expliquer à ceux qui ont faim pourquoi les denrées de première nécessité sont chères. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Carré Politique qui reçoit justement les confrères Cyriaque Dekenou et Serginho Lekossou. Cyriaque, bonjour. Bonjour Paul Danombe, bonjour mesdames et messieurs les internautes de BNews. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Emergence Info. Vous faites le débat ce matin avec Serginho Lekossou, qui est justement le directeur de publication du quotidien Vue d'Afrique. Serginho, bonjour. Bonjour Paul, bonjour à tous les internautes de BNews. Pour une toute première fois, parfaite à fustiger une action, une initiative de l'exécutif. Vos impressions? On va dire que elle est inconditionnelle. C'est une inconditionnelle soutien du système en place, on va dire, qui, au détour de cette tournée gouvernementale, est allée contre ce qui se fait cette tournée-là. Elle a clashé ouvertement le régime, entassant cette tournée d'absurde et d'inopportune. Je pense que quand on ouvre les antécédents de cette dieu autoproclamée de la mission de Gouaname, on sait que de par ces agissements du passé, il y a beaucoup d'observateurs et lecteurs de l'actualité politique nationale qui ont estimé à un certain moment qu'il y a une forme ou une certaine accointance entre dieu autoproclamé de Gouaname et le système en place. Et donc quand à la faveur d'une tournée, elle clash, on va dire ça comme ça, excusez-moi le mot, le gouvernement, en qualifiant d'absurde la tournée, elle est allée même plus loin en disant que comment ceux qui ont rassasié veulent aller expliquer à ceux qui ont faim, Ceux qui sont rassasiés. ceux qui sont rassasiés veulent aller expliquer à ceux qui ont faim les raisons de leur faim, on va dire. Je pense que quand il y a comme ça des actions posées par le système en place, ces actions donnent souvent lieu à des commentaires et des insinuations. Et donc, on ne peut pas refuser ces commentaires et insinuations. Et je crois, comme beaucoup de personnes, que quand vous suivez bien l'audio de la dieu proclamée de la mission de Gouaname, c'est vrai qu'on va dire qu'elle est en train d'exprimer les désiderata du peuple, le peuple a faim. Et je pense que ce qui a lieu de faire, c'est de trouver les voies et moyens pour quand même permettre à ce peuple-là qui a faim de pouvoir manger à sa faim et de boire à sa soif. C'est vrai que c'est une constance aujourd'hui. Les produits de première nécessité coûtent cher dans nos marchés. Ça grimpe de prix au jour le jour. Et je pense que cette tournée, si ça doit amener les gouvernants à corriger les choses, qu'ils le fassent. Et moi, j'estime que après cette tournée, ils doivent quand même faire le point des avis qui ont été donnés ou des propositions qui ont été faites dans chaque localité du pays pour pouvoir sortir une bonne résolution. Et moi, je le dis, cette crise, elle n'est pas forcément, c'est pas le président Talon qui est à la base de cette crise. Cette crise, elle a des causes un peu lointaines, on va dire. C'est la guerre en Ukraine. C'est également la pandémie du coronavirus. C'est également le terrorisme qui mène un certain nombre d'États en Afrique de l'Ouest, notamment les États du Sahel. Et donc, je pense que dans une démocratie comme la nôtre, une démocratie où chacun est libre de dire ce qu'il pense, je pense que on ne peut pas refuser à la dieu autoproclamée de Gouaname de porter son avis par rapport à tout ce qui se joue au pays. Cyriaque Dekenou, c'est quand même une toute première fois. Parfaite Bonhomme s'est toujours illustré comme un soutien du système, du régime de la rupture. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette réaction qui s'oppose farouchement à cette initiative, quand même, qui appelle à expliquer davantage aux populations les causes de la cherté de la vie au Bénin. Dieu autoproclamé critique cette tournée gouvernementale d'explication sur la cherté de la vie. Il faut simplement constater que Dieu autoproclamé aussi a remarqué sans doute un aménagement, je le dirais comme ça, ou bien une diminution des dîmes et des offrandes de ses fidèles, certainement. Et que ces fidèles aussi se plaignent déjà de la cherté de la vie.
éprouve des difficultés. Pareil, c'est tout à fait normal que Dieu aussi sorte pour aller au créneau, pour monter au créneau, histoire quand même de se montrer en quelque sorte ensemble, c'est-à-dire comme une personne qui, d'une certaine façon, partage les peines de ses fidèles. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous savez, ceux qui sont, c'est-à-dire les dirigeants d'église, les émigrants, les tassimans et autres, sont des gens qui ont les meilleurs baromètres pour pouvoir quand même, disons, évaluer l'évolution de la vie économique d'un pays, l'évolution de la vie sociale dans un pays. Puisque ce sont des gens qui sont au contact des diverses couches de la population et qui sont mieux placés pour pouvoir apprécier ce qui se passe. Et que Parfait fasse une sortie pour aller contre, quand même, disons, une initiative gouvernementale, ce qui d'ailleurs est une première, ne fait que traduire, quand même, disons, la perception globale de tous les Béninois par rapport au fait que ça ne va pas actuellement et que les denrées de première nécessité coûtent totalement cher. Mais il faut aussi faire remarquer un certain nombre de choses parce qu'elle a dit dans son audio que comment est-ce que ceux qui gagnent 8 millions, ceux qui gagnent 16 millions pourront expliquer quand même, disons, à ceux qui ne parviennent même pas à gagner 30 000 par mois pourquoi ils sont en difficulté. C'est une appréciation qui semble rejoindre l'appréciation d'un certain nombre de personnes qui sont opposé à cette tournée gouvernementale d'explication sur la chèreté de la vie et qui trouve que ce ne serait qu'une balade. Mais en réalité, il faut voir les choses autrement. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, le gouvernement, les membres du gouvernement sont les gens qui, en réalité, sont les mieux placés pour pouvoir expliquer et faire disparaître l'infodémie. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le fait que longtemps, à manipuler les populations longtemps, un peu, à faire croire aux populations que la crise actuelle sur les coûts, sur le coût de la vie, serait liée aux taxes, aux impôts, serait liée à une question de malgouvernance, serait plutôt liée à des salaires faramineux que l'on attribuerait à des politiques, contrairement à ceux qui travaillent, à des fonctionnaires simples. Donc, le fait que le gouvernement initie une tournée pareille pour pouvoir quand même, disons, expliquer aux uns et aux autres les tenants et les aboutissants, mais aussi les mesures prises par le gouvernement pour pouvoir juguler cette crise-là, n'est qu'une initiative à saluer. Il faut faire remarquer aussi un fait dans cette déclaration de Parfait. Parfait, au bout de son audio, disait ceci. C'est depuis 2016 que nous disons d'aller sur le terrain expliquer les choses aux populations. Cela résume en quelque sorte l'état d'âme d'une personne déjà fanatique du régime, soutien du régime, et elle ne s'en cache pas d'ailleurs, qui, très tôt, depuis 2016, avait souhaité que les choses se passent autrement. Parce que cette crise-là, qu'on le veuille ou pas, les cris de cœur des populations liés à la chèreté de la vie. Il y a de cela 5 ans, ce qu'on disait, c'est que l'argent ne circule pas. Donc, lorsque elle dit que c'est depuis 2016 qu'elle avait souhaité, qu'elle avait même demandé que le gouvernement sorte pour aller sur le terrain expliquer les choses aux populations, c'est que, en quelque sorte, elle est en train de manifester quand même, disons, sa désapprobation par rapport à une initiative qui, selon elle, serait venue un peu trop tard. Mais il faut faire remarquer aussi un certain nombre de faits. On va finir la tournée bientôt. Le gouvernement aura à faire aussi la synthèse. Et le fait que même au cours de cette tournée, qu'il y ait des chefs de quartier, qu'il y ait même des élus, UP et BR, notamment des formations politiques qui soutiennent le régime, qui ne se voile pas la face, mais qui se lève et qui émettent même des critiques objectives. On a même écouté ce chef de quartier-là qui est même allé plus loin en demandant au gouvernement de soit d'abord à la construction des routes pour pouvoir faciliter le fait que les gens puissent manger. Donc tout cet ensemble-là traduit quand même, disons,
cette contradiction tout à fait naturelle et normale qu'il doit y avoir au cours de cette tournée pour pouvoir aussi permettre aussi à ceux qui sont allés sur le terrain de faire le retour au chef de l'État pour lui dire, Monsieur le Président de la République, vous nous avez envoyé en mission, nous avons parlé aux populations, nous croyons que certains ont compris, nous croyons que pour d'autres, il faut faire telle et telle chose. Et ce n'est qu'après cette tournée que l'on appréciera vraiment en quoi est-ce que cette tournée a été utile, en quoi est-ce que vraiment les uns et les autres n'avaient pas tort de s'attaquer peut-être au gouvernement ou bien ont tort fait de s'attaquer au gouvernement. Sergino Lecosso, dans ce même élément audio, Parfait Bonhomme a indiqué que cette tournée est un folklore et une manipulation des populations, n'est-ce pas, trop dit? Non, je pense qu'elle est en panne de crédibilité, on va dire comme ça. Ces audios précédents ont prouvé qu'elle est en panne de crédibilité. Elle a même souhaité laisser la mission si ses fidèles n'écoutent pas ce qu'elle dit. Je crois aujourd'hui que avec cet audio, elle veut se faire, on va dire, une certaine crédibilité. Et l'autre chose, je me demande ce qu'elle maîtrise, elle, autre, du fonctionnement de l'État, pour dire que les ministres, le chef de l'État l'équipe gouvernementale et les personnalités politiques en général gagnent de salaire important, comme l'a rappelé mon confrère. Je pense que ça a été institué depuis 90 à aujourd'hui. Les ministres ont toujours gagné de gros salaires. Les députés ont toujours gagné de gros salaires. Enfin, du moins, leur salaire est nettement supérieur au salaire gagné par les plantons et ceux qui sont dans les simples agents permanents de l'État. On va dire ça comme ça. Et donc, je pense aujourd'hui que si elle estime que cette tournée est absurde, est un folklore, c'est peut-être, comme l'a dit Syria tout à l'heure, ça traduit des aspirations. Peut-être que ses fidèles à elle lui ont expliqué un certain nombre de choses. Et comme l'a dit le confrère tout à l'heure, c'est vrai que les dîmes et les quêtes auraient peut-être connu une baisse drastique. Et donc, elle s'est énervée. Et vous allez entendre dans ces audios précédents, elle s'est insurgée par rapport à ce que ses fidèles ne respectent plus un certain nombre de choses en ce qui concerne la mission. Peut-être que c'est parce que les denrées, écoutez, nous n'en disconvenons pas. C'est un constat réel. La constance, elle est là, en fait. Et donc, ça ne dépend pas du gouvernement. Syria a rappelé, ça ne dépend pas du chef de l'État. Ça ne dépend d'aucun ministre. Et je dis, les gouvernants peuvent peu par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Si la guerre en Ukraine doit continuer, les choses, je pense, vont se durcir davantage. Ce qu'on va souhaiter, c'est qu'on puisse trouver les solutions adéquates, les solutions idoines pour quand même essayer d'amoindrir un peu les coûts sur le marché. Et je pense qu'en parlant des mesures d'allègement, le gouvernement fait beaucoup, mais on demande plus, un peu plus pour que le panier de la ménagère, qui dans tous les ménages est pratiquement vide, ne soit plus vide et que les solutions soient trouvées. Et je pense que c'est lors du clap de fin de cette tournée, je crois que le directeur des douanes a dit quelque chose de très important. C'est d'alléger les conditions pour les commerçants et de vérifier, de surveiller pour qu'il n'y ait pas des exportations du pays. Parce que ça va contribuer à rarifier les produits de première nécessité. Je pense, je n'ai rien contre Dagbo, enfin la Dieu autoproclamée de Bobo Aname, qui est un soutien conditionnel du chef de l'État, il faut l'avouer, qui a toujours soutenu le chef de l'État, qui a mis son bétail électoral, ses fidèles, et qui ont voté pour le chef de l'État en 2000. Elle draine du monde, en fait. Elle draine du monde. Elle a un bastion, on va dire. Elle a du peuple. Et elle avait de la voix jusqu'à un passé récent. Je ne sais pas si elle continue d'avoir de la voix. Elle a de la voix quand même. Et donc, ce qu'elle dit, si elle donne une consigne de vote à ses fidèles, elles vont suivre. Moi, je me rappelle, j'étais à Porte-Nouveau, j'ai vu une dame et qui s'est agenouillée, elle était au téléphone et s'est agenouillée parce que Dagbo aurait appelé la dame. Elle n'est pas là, elle est au téléphone, elle appelle la dame est en circulation, et ça s'agenouille pour prendre l'appel. Donc vous voyez que elle qui parle de manipulation, elle a essayé de faire numéro de téléphone. Évidemment, elle a essayé de manipuler les populations. Donc elle connaît comment manipuler, et elle qui parle de manipulation de cette tournée, c'est sûr qu'à un moment donné, elle aurait peut-être
aider le système à manipuler les gens. Donc, c'est pourquoi elle maîtrise, c'est pourquoi elle en parle. Et je pense aujourd'hui que c'est vrai, je l'ai dit à l'entame, que et toutes les actions, que ce soit le gouvernement de la rupture ou un autre gouvernement qui viendra après celui de la rupture, ces actions vont laisser, vont susciter des commentaires, des insinuations. Et donc, je pense que. Je pense qu'aujourd'hui, l'important, ce n'est pas des audios sur WhatsApp. L'important, c'est au-delà de ces audios, qu'elle a proposé comme solution. C'est ce que nous voulons. Ce n'est pas seulement des critiques, mais proposer également. C'est ce que nous demandons. Elle doit proposer également des alternatives au gouvernement. Le tout ne suffit pas de dire que cette tournée, elle est inutile. Elle est absurde. Mais qu'est-ce qu'elle a proposé en lieu et place de cette tournée? C'est ce qui importe aujourd'hui. Aujourd'hui, le peuple veut manger. Le peuple a faim. Donc, trouvez des solutions. Trouvons des solutions. Ceux-là qui portent de la voix puissent trouver des solutions. Je prendrai certainement le contre-pied de ces Ginot qui pensent que le gouvernement peut très peu de choses par rapport à ce que nous avons. Je ne partage pas forcément cet avis-là parce que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, même si l'économie béninoise est une économie, il faut l'avouer, entièrement fiscale et très fragile, posons-nous la question de savoir combien de produits nous importons de la Russie ou de l'Ukraine. C'est ça. En réalité, à part le blé, nous importons quels produits de ces pays-là? Je crois en réalité que nous sommes dans un contexte où en fait, c'est un effet de contamination. C'est-à-dire que ce qui se passe ailleurs a des répercussions sur vous ici. Et ce qui se passe également aussi dans la sous-région, c'est la mondialisation, a des répercussions aussi sur quand même, disons, le comportement de nos commerçants en République du Bénin. J'aimerais vous faire remarquer un certain nombre de faits. Vous savez, très rapidement, l'intervention de Dago, s'il vous plaît, parce qu'en fait, j'ai écouté Sergino parler tout à l'heure, et l'intervention de Dago devrait aussi, pour nous autres communicateurs, nous amener à voir peut-être les choses autrement. Parce que quelle devait être la qualité de ceux qui devraient porter ce type de message? Et vers qui devait-on porter ce message-là? Parce que le problème est le suivant. Lorsque c'est des ministres qui descendent sur le terrain pour parler aux populations, je ne suis pas trop sûr que les gens, quand même, disons, se donneront toute la peine de trop écouter. Parce que ce rôle est-il dévolu aux élus communaux? Ce rôle, ma foi, parce que vous parlez tout à l'heure de l'influence de Dago. Nous sommes en politique. Et sous d'autres cieux, l'on aurait même utilisé les religieux, vous comprenez, d'une façon même indirecte, pour porter ce type de message. C'est un choix du gouvernement. Et qui serait même, disons, mieux passé. Parce que lorsque les gens voient aux représentants un ministre, un député, quelqu'un qui, déjà, d'une certaine façon, vient défendre ses intérêts, c'est-à-dire vient défendre le régime dont il dépend. Les gens voient quand même, disons, nous sommes dans l'effet de la communication, de l'influence et de la dissuasion. Lorsque vous voyez un ministre debout qui vient vous parler de la chèreté de la vie et qui vient peut-être, disons, dans un véhicule 4x4, vous comprenez déjà mieux encore qu'est-ce qui se passe. Il viendrait comment? Je viens. C'est-à-dire que mieux encore qu'est-ce qui se passe? Les messages ne sont pas portés à l'ensemble des populations telles qu'au cours de la tournée du chef de l'État, toutes les populations sont venues et les gens l'ont vraiment écouté et que cela a été beaucoup plus convaincant. Patrice Talon, au cours de sa dernière tournée, avant sa réélection, mobilisait les foules dans un stade, et donc tout le monde avait accès à lui et le dialogue était un dialogue ouvert et autre. Mais dans ce cas-ci, ça a été expliqué par le obligatoire qui sont imposés à tous. Le secrétaire général du gouvernement, c'est pour réduire un peu les coûts. Nous sommes en réalité, en réalité, nous sommes dans un contexte où je me demande si l'on n'aurait peut-être pas trop pris la peine, c'est-à-dire l'on n'aurait pas peut-être pris la peine de mieux penser et à qui seraient les meilleurs acteurs pour porter un message pareil. Parce que il faut pas oublier un certain nombre de faits. Et Paul, je vais vous le rappeler d'ailleurs. Vous savez quoi? Nous sommes dans un pays où la perception du Béninois par rapport aux politiques est une perception qui, il faut l'avouer, c'est la perception de celui qui bouffe.
Et quand c'est déjà une perception comme ça, ce qu'il faut utiliser, c'est d'autres acteurs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on aurait le sentiment, malgré tout l'effort que fait ceux qui travaillent aux côtés du chef de l'État pour sa communication, la communication gouvernementale, ma foi, se porte mieux que par le passé. C'est pour dire quoi? Il déploie plus d'efforts aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait le sentiment, ou peut-être même le chef de l'État même aura le sentiment que rien n'est fait? Mais c'est parce que c'est un sujet qui touche même les partenaires qui devraient porter ce message-là, c'est-à-dire les journalistes. Comment voudrez-vous qu'un journaliste qui peut-être travaille dans une radio communautaire qui à peine touche 40 000 francs CFA et qui n'est peut-être pas payé régulièrement vienne sur une émission télé dire, c'est-à-dire défendre le gouvernement, dire autre chose que ce que lui-même il vit chez lui, alors que peut-être que chez lui, il donnait peut-être 1500 francs pour la popote et qu'il est peut-être obligé aujourd'hui de dire 3000, c'est-à-dire de donner 3000 francs CFA. Donc, c'est pour dire quoi? Nous sommes dans un contexte où il me plaît de vous rappeler que cette tournée n'est pas que explicative. Non, c'est en aussi fait, l'occasion pour le gouvernement d'expliquer les mesures d'allègement que les ministres. Je ne suis pas en train de défendre Dago parce que en fait, non, c'est vrai. Je ne suis pas en fait en train de défendre Dago. Je n'ai jamais dit ça. Mais je suis en quelque sorte en train de faire le tour de la situation pour que vous puissiez mieux comprendre, quand même, disons, ce à quoi nous assistons. Parce que, quand Dago sorte aujourd'hui et fustige, quand même, disons, cette politique explicative du gouvernement, cela n'est pas, quand même, disons, un élément à négliger. C'est sans doute un élément dont il faut se saisir pour savoir qu'aujourd'hui, peut-être qu'on aurait plus utilisé, peut-être, dans un environnement politique pareil, la voix des religieux, la voix des élus locaux, la voix peut-être même, disons, d'autres acteurs qui n'ont aucun lien direct avec le gouvernement et que le message passerait plus. C'est ma conception des choses. Serge Nolokoso, on va aborder un dernier tournant pour sortir de cette émission. Au cours de cette tournée, on a constaté qu'il y a eu des tickets d'accès qui ont été imposés aux populations. Comment vous comprenez que pour une tournée qui est adressée à toute la population, que l'on prenne l'initiative, sinon la mesure, de prendre une salle dans laquelle on reçoit presque que des élus locaux et qu'on impose aux populations un ticket d'accès. A priori, moi, ça m'a étonné. Mais quand j'ai fait un retour sur les propos du secrétaire général du gouvernement, porte-parole du gouvernement, ce qu'elle n'a pas parlé du gouvernement, j'ai compris que peut-être que c'était pour réduire les coûts qu'il y avait de tickets parce que nous sommes en crise et il fallait quand même faire les choses pour ne pas donner l'impression. En fait, le coût de la tournée, par exemple, c'est pourquoi les délégations, enfin la délégation n'était pas aussi, enfin il n'y avait pas beaucoup de membres dans chaque délégation, d'après les explications. Et je pense également que c'est vrai que ticket d'entrée, ça montre à la population, ou du moins certains observateurs estiment que c'est diriger cette tournée. Quand on parle de ticket d'entrée, c'est que tout le monde ne peut pas avoir accès à ce ticket d'entrée-là. Et ça donne raison peut-être à ceux qui pensent que c'est une sorte de pré-campagne que le gouvernement allait s'adresser aux élus locaux et qui, pour la plupart, soutiennent les actions du gouvernement, des consignes peut-être pour les législatives, nous sommes à 7 mois des législatives, il faut le dire. Et donc, il y a ce courant de pensée très peu persistant. Quand on a parlé des tickets et qu'on sort, moi, je pense que si c'est vraiment cette tournée, on aurait quand même prendre des stades omnisports pour inviter les populations, même si le chef d'État ne vient pas, même si un ministre vient avec des élus locaux, il peut quand même expliquer le bien fondé. Et je pense que c'est le gars des Sceaux qui m'a beaucoup impressionné lors de cette tournée-là. À Lokosa, il disait que nous savons que vous savez, s'adressant aux populations, vous savez que la vie coûte cher. Nous ne sommes pas venus pour vous expliquer pourquoi la vie coûte cher. Vous connaissez ça déjà. Mais nous sommes venus, entre autres, recueillir ce que vous voulez que le gouvernement fasse pour vous. Bon, je pense que c'est important, c'est vrai. Il faut expliquer un certain nombre de choses. Et je pense que qui mieux peut
expliquer le fonctionnement de l'État. Quand il ne s'agit pas d'un ministre, quand vous prenez le ministre de l'Agriculture, par exemple, il connaît les options agricoles du Bénin, il connaît les difficultés. Donc, je pense que c'est vrai qu'il faut inviter les radios communautaires, il faut laisser l'associer à la presse. C'est vrai qu'il faut laisser les élus porter l'information, les députés dans chaque circonscription porter l'information. Mais je crois qu'à un moment T, après réflexion, le chef de l'État a décidé d'envoyer ses collaborateurs. C'est vrai que ça donne lieu à des commentaires, mais l'important, c'est que des solutions soient trouvées pour que ces pères de famille qui ont fait l'option de fromage de soja puissent laisser le fromage de soja pour commencer par acheter les poissons et les viandes. C'est ce qu'on va souhaiter. Le gouvernement fera certainement le point à l'issue de cette tournée. Amis internautes, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de Carré Politique.